Bonsoir. 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 Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus. Merci à vous d'avoir fait l'effort d'être venu jusqu'ici. J'ai réussi à m'en sortir, j'ai l'impression que c'est une expérience que je peux transmettre à d'autres et on est tous capables de s'en sortir. Je vois très bien que il y a certains qui sentent un peu le doute. Mais n'ayez pas peur, ayez confiance. Autant que j'ai pu avoir confiance en moi pour me sortir de tout ça. Et je sais que vous avez le pouvoir, la force d'arriver jusqu'à ce moment. D'arriver jusqu'à là, comme moi. On en sort. J'aimerais qu'on fasse un tour de table pour se présenter. Tous, il y en a certains que je connais déjà, mais... Bonjour, moi je m'appelle Tijuve. Et j'ai découvert ça au départ par un ami qui m'a amené. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Puis peu à peu, j'ai pu arrêter. Puis évidemment, là où c'est devenu grave, c'est que... J'ai moi-même entraîné des amis là-dedans. J'aimerais beaucoup m'en sortir, mais dès qu'il y a un nouvel événement, même parfois dans d'autres pays, j'y vais. Je dépense tous mes sous et j'arrive pas à me contrôler. C'est pour ça que je viens ici. C'est pour recueillir des expériences comme celle de Pascal. Bravo, bravo, bravo. Merci. Bravo. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Clara. Je suis kinoïde depuis 4 ans. Et j'ai fait une rechute il y a une semaine. Et en fait, j'arrive pas à arrêter. C'est trop dur. J'ai tout le temps envie. Je sais pas comment faire pour arrêter. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. L'admettre, c'est déjà l'accepter. Bravo, vraiment. Bravo, Clara. On profite pour introduire un nouveau venu, Sarp. Allez, raconte toute ton histoire, s'il te plaît. Merci, Pascal. Donc, voilà, mon histoire, elle est assez simple. Je suis tombé dedans à cause d'un ami. Ça faisait un petit moment qu'il essayait de me motiver, Il est venu chauffer pour le tenter. Et donc, une fois, je me suis laissé faire et c'est parti. Et voilà, j'essaye de limiter ma consommation. Honnêtement, j'ai du mal à gérer. Et voilà, j'aimerais bien écouter vos expériences, avoir de l'aide. Bonsoir. 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 D'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas ici de mon plein gré. On m'a envoyé de force par les services sociaux, et ainsi que mes proches qui m'ont obligé à assister à ce type de réunion. Sachez que j'assume totalement ma dépendance à 100%. Voilà. Voilà, et frontalement, je vous le dis. J'aime ce que je fais. Et puis je trouve que je n'exagère pas. Ça ne rentre pas en contradiction avec ma vie de tous les jours que je mène au quotidien. Sauf lors des sessions. Je ne pense pas que venir exposer la réalité du lien que j'ai à tout. Merci, ça. Alex. Merci, Alex. Bravo. Bravo. Bravo, Alex. Bravo. Bravo. Merci. Bravo. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, moi, j'ai commencé quand j'avais 18 ans.
c'est jeune. Des gens dans mon entourage faisaient ça, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Puis tout s'est accéléré et on se retrouvait dans ce qu'on peut appeler des sessions où ensemble on prenait une dose. Puis bah, j'ai commencé à organiser ces sessions, à faire payer les gens pour qu'ils nous rejoignent, qu'ils partagent ce moment-là. Et là, je crois que c'est assez, quoi. Faut que ça s'arrête. Ça, c'est nous. Je m'appelle Tiju et je suis kinoïde depuis 4 ans. Pascal et j'ai été kinoïde pendant 5 ans. Je m'appelle Jean-Pierre, je suis kinoïde